Ouais, t'inquiète. Contre un joueur de la bûche, Joe Tulai. Héros contre... Ah oui, c'est vrai qu'il joue héros. Ouais. Ah, avis sur héros. Qui joue héros? Libéré Walid. Et Joe Tulai qui joue Wii Fit. Bah écoutez, pour ce premier match de GTN, ça va, c'est pas trop dégueulasse comme match-up. Les deux, ils cherchent leur... Je dis c'est pas trop dégueulasse, ça commence par quoi? Bon, on va camper. Ah si, c'est critique. Oh, non, par contre 43% on commence quand même assez bien. Je veux dire, 43% c'est le combo de certains personnages. Oh, je me rappelle quand le perso est sorti en août 2019. Précis. Je voulais le bannir. Mais parce que c'était de la random, c'est ça? Ouais. Oh, pas mal l'edgeguard. Oh, il y avait l'idée dans le B là, mais un peu tôt, mauvais timing, c'est pas grave. En tout cas, on arrive toujours pas à se dépêtrer de tout ça, Joe Tulai. Hop. On a voulu sauter dans la vide, on a voulu faire un edgeguard. Tarkaïs. Tarkaïs, et il va se manger du... Comment ça s'appelle? J'ai oublié comment on commande. Comment on commande Smash Bros, les gars? Attention, B. Oh, dommage. Oh. En fait, c'est bien parce que c'est beaucoup de frame active. Et ça tue? Non, pas encore. Encore beaucoup de frame active, tu vois. Et du coup, c'est bien pour Edgeguard, en fait. Ça occupe l'espace longtemps, c'est intéressant. Ok, c'est faire qui tue. Qui trouve le premier kill? Il a mis que le reboot, c'est mieux que Game Tech Night. Ouais. Est-ce que tu penses la même chose? Je rigole. Oh, la sauce. Le mec, il a ouvert un paquet de sauce, il a fait vas-y, je vais te tremper dedans. Aucune idée. Écoute, maintenant qu'il est plus chez Géo. Attention, on tente d'approcher. Ah, je sais plus commenter, c'est chiant. J'ai trop regardé de CSGO. Ok, la smoke. Donc, interaction un peu goofy. Un peu goofy, oh, Caïs. Ouais. Ça va, c'est vous, monsieur Dadou? Oui, je suis Caïs, je pue, je me lave pas. Parle, je crois qu'on t'entend pas. Oh là là. Alors, deux stocks chacun, ça va, c'est assez serré en fait comme match. Ouais, oh. En même temps, ça weave beaucoup. Quel bon fer qui est trouvé. En petit punish, on va se prendre un petit ballon. Après, il va passer, il va essayer de passer par le haut. Il va passer tranquille, il va se faire burry. Le pouce en l'air de Fury Drake. Et éjection rapide. En l'air. C'était de Fury Drake. J'ai dit pouce en l'air de Fury Drake. C'était rapide. Bon, 104% en plus avec le bounce qui rajoute du poids, sauf qu'un back air. Oh là là, le Kaioken. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est le Kaioken, ça éjecte plus, ça fait plus de dégâts et ça suffit pour tuer un héros à 100%, même avec le bounce qu'on a récupéré d'ailleurs. On a déjà pris 68%. 77 maintenant. 85. Ah, oh, la boule de feu. Oh, ouais. Le feu encore. Encore du feu explosé. Oh, dash attack. Et là, on trouve un sort surpuissant random et tu gagnes la game. Bah voilà, bien joué. Première game pour Walid. Mmh. Malheureusement. Après, bon zoning. Ouais. On a juste bombardé les sorts. Ça a marché. Le petit slip qui est tombé comme ça, un peu par chance, mais ça fait plaisir. Et on prend la première game. Tu veux te mettre au milieu? Ouais. Vas-y. La petite place au milieu, le petit dernier. Le petit dernier. Comment ça va, Fury Drag de Saint-Etienne? Eh bien, ça va très bien, Darine de Saint-Chamond. Hein, ah, je suis né à Saint-Etienne. C'est vrai, donc tu es stéphanois. D'ailleurs, Smashouille demain. Oui, c'est vrai, n'hésitez pas. Tu sais sur quoi c'est diffusé? De quoi? Tu sais sur quoi c'est diffusé? La game 2 qui commence. Le pugilat des étoiles. Exactement. Bon, on repart. Sur une troisième. Deuxième, oula, deuxième. Avec une balle de match pour Libération de Walid, le retraité de chez Gamers Origin. C'est drôle, c'est que les deux possèdent la capacité de Kaioken. On a travaillé avec le même maître. Ouais. Ça me rappelle un truc. Mmh. Je l'ai fait, moi. Hier, c'était Nino. Wesh, Da Witcher. Attention, très bon walling. Hein. Il wall avec son fer pour l'empêcher d'avancer. Le zoning de la part de Tulai pour empêcher d'approcher. Ça va pas marcher parce que on va se laisser avoir par un sort qui est sorti un peu vite. Attention, on va se raccrocher. La roll? Non, get up. Get up roll, pourquoi pas. C'est original, ça marche, c'est faux, c'est pas original, tout le monde fait ça. On croit créer. Ce qui est drôle, c'est que quand tu get up roll, tu crois créer un contre-timing alors qu'en fait ça se joue à presque rien et que tu te fais avoir si le mec il couvre la roll. Le mec couvre la roll, que tu fasses une get up roll ou une roll, c'est le même résultat. Hormis si tu varies le timing de la roll. Ouais. Mais les gens en général ont tendance à le faire instantanément. Le soit. En fait, si. En fait, quand les gens font de la neutral get up, ils vont soit roll, soit shield. À bas niveau. Oh, le magic burst qui va tuer. Il va chercher. Très bien vu. Tue en edgeguard.
Ouais, une fois que t'es en bas et que t'es aussi proche, t'as plus forcément beaucoup d'options pour te raccrocher. Case devrait prendre des notes de cette Edurne. Case devrait prendre des notes. Bon, bah on réégalise. Avec le bounce, on rajoute du poids et puis on renvoie le side B. Donc plus de zoning possible de la part de Jotulai qui va être obligé d'approcher, sauf si... Ah, tu vois, il approche, sauf que bah, un bon F5... Oh, oh il a voulu terminer la game. Ah non, mais le neutral ressemble à un chantier pas terminé. Oui. Moi, tonton oh, pourquoi là. Tu t'es jeté dedans? Bah non, mais... Vas-y, maintenant tu te raccroches. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, heureusement que ça a pas passé. Ça permet même de prendre le contrôle de terrain. On va chercher avec un donner. C'était dangereux. Du coup, on perd ce contrôle. C'est à l'avantage de Walid maintenant. Ah, le bounce qui fait du bien. Mais là, on est en low recovery. Walid a l'habitude de couvrir ça. Il va t'attraper avec ce down B, ce up B qui a beaucoup de frame active. Comme et on l'avait dit précédemment, bah, du coup, la selle à bord. L'air de... On a pas su revenir. L'air dodge. Et ça repart. Dernière stock hein, pour Jotulai. Peut-être dernière stock de winner si Walid conclut. Oh là là, la dash dance. Il a dash dansé. Il s'est pris les pieds. Libérer le Walid. Libérer la dash dance. Ouais, qui prend le temps de se buff, le zoning de Jotulai, mais pour l'instant on a pas tant de retard que ça en vrai. Dernier stock pour les deux, mais bon, Walid commence à envoyer un peu sa panoplie, sa cuisine, et ça commence à bien creuser, quoique on a assez égalisé. Mais non, il a sauté dedans, et en plus il aurait pu dire c'est quoi ça? C'est fur. Oh, l'impatience. C'est fur, il s'est fait fur dans le neutral. Je propose d'enlever Nino du cast après cette blague. Ça marche, ça marche. Je pense qu'il est vraiment parti là. Alors que je crois que c'est un... Rien, ça sacoche. De quoi? Rien, ça sacoche de tueur. Mais frère, il est venu en Gucci.